Comme vous savez, nous avons à peu près 95 millions d'habitants. C'est une fois et demi, n'est-ce pas? 5% de peuple d'habitants plus que la France. La France, il y a 66 millions. Et au Vietnam, maintenant, on a 95 millions, malgré la guerre. Parce que, au Vietnam, pourquoi on produit si vite? Vous savez pourquoi? Parce qu'on mange beaucoup de poissons. Et le poisson, il y a beaucoup d'œufs. Et chaque poisson africain, il y a des milliers de poissons. Tandis qu'ici, vous mangez de la viande, un bœuf qui est seulement un bœuf. Donc, maintenant, vous mangez beaucoup de poissons et vous allez voir que dans 20 ans, il y aura au moins 100 millions de Français. Et là, nous avons 95 millions, mais il y a une majorité. Le peuple majoritaire, ce sont les Vietnamiens comme moi, comme certains Vietnamiens qui sont tout à l'heure présents dans la salle, que qu'on appelle les kings. Les kings, le peuple king, n'est-ce pas, c'est la race, n'est-ce pas, la tribu. Et il existe 53 minorités qui peuplent le Vietnam, et 53 minorités qui parlent 53 dialectes et langues. Et ils ont des cultures différentes, des traditions différentes, etc., des coutumes, etc. Et ces gens-là, ils fabriquent des guitares. Les kings comme moi, on ne joue pas. Parce qu'on joue d'autres instruments, la guitare, la vielle, le monocorde, etc. Tous les instruments à cordes et d'autres instruments d'origine chinoise. Tandis que ça, les minorités vivent dans les montagnes. Et là, au Vietnam, il y a beaucoup de bambous. Et eux fabriquent plein d'instruments avec le bambou comme le gamin, comme le rabouche, comme le bambou pote, etc., la flûte, etc. Dans ce qu'ils ont, les gamins, il y a une dizaine de variétés de gamins au Vietnam. Vous allez découvrir ça, et c'est formidable. C'est un pays qui est très riche en gamins, mais malheureusement, c'est méprisé par les Vietnamiens. Et là, c'est pour ça que les Vietnamiens ne savent pas les gamins. Bon, c'est comme moi, c'était par curiosité que j'avais appris la guitare et je trouve que c'est un instrument extraordinaire qui a de possibilités, plusieurs possibilités pour aider les personnes, non seulement pour la musique, mais aussi pour la guérison, etc., pour beaucoup de choses. Et là, c'est l'instrument, vous voyez, un cadre rigide, une languette flexible, là, on met l'instrument devant la bouche. Donc c'est une gabarre idiolote plus le cadre et l'organe en plus une pièce. Mais pas sur les dents. Idiolote, c'est toujours sur les lèvres.